Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve sur les Sims, sur notre petit challenge de fermière. Et doucement mais sûrement, on approche de la fin. Il nous reste plus que un seul objectif, entre guillemets, à faire. Donc recevoir trois cadeaux de lapin ou d'oiseau, ça devrait pas être un problème. Et gagner un concours, ça par contre, ça risque d'être plus problématique. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive. Clairement moyen. T'étais parti où toi? Non, on va pas manger de la brioche. Mange pas de la brioche. À cuisiner un vrai truc. Un vrai bon petit plat. Tu as des macaronis au fromage. Ce sera très bien. Fais des macaronis. Du coup, concours, on en a un demain. Ainsi que la fête bagarre de quartier. Magnifique. Donc ce sera avec les lamas et la laine. Du coup, on va essayer de le gagner, même si honnêtement, lama, j'y crois pas trop. Culture, on aurait peut-être pu. Mais pour le lama, je sais pas. En termes de laine, on a quoi? On a de la bleue qui est très bonne. L'arc-en-ciel, elle est rare, mais elle est pas médiocre, commune. Ouais, non, pas ça. Excellente. La rose, je pense qu'elle peut peut-être faire quelque chose avec la rose. Hein. Insolite, excellente. Peut-être moyen de gagner avec de la laine rose, qui sait. On verra ça demain. La petite, elle est où? Elle est dehors. Pourquoi elle est dehors? Ouh! Oh, elle est pas bien. Ouh, la petite, elle est pas bien du tout. ok. Tu vas lui donner à manger. Petit bol de céréales. Ouais, non, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. On s'occupe de toi. Tout va très bien. Vas-y, va, elle est en train de faire dans sa couche. Ok. Non, mais c'est pas grave. Au moins, le besoin de vessie, il est réglé. Elle a juste très faim maintenant. Bon, par contre, il faudra qu'elle prenne une douche. Enfin, un bain. On va s'occuper un peu de la petite. Ça me paraît être une bonne idée. Ok, alors une fois qu'elle aura fini de manger, tu vas pouvoir aller. De choix. Donner un bain tiède. On n'a plus d'eau. Attendez. Ah ouais, on est complètement à sec en termes d'eau. Par contre, l'électricité, on est bien. Ça va. Mais on n'a plus d'eau. Ce sera un bain tiède pour la petite. Et hey, coucou Xena, comment tu vas? Allez, viens. Tu vas prendre un bon bain. Pas très chaud. Mais c'est toujours mieux que rien. Eh, avec ce qu'on a. Oui, elle est triste, c'est rien, ça va aller. Faut pas être triste. Ah là, elle s'amuse dans le bain. C'est très bien, ça remonte son divertissement. Son divertissement, ça remonte. C'est parfait. Bah écoute, Moxena, ça va toujours, hein. Ça va, ça va. J'aimerais bien terminer le challenge aujourd'hui, ça serait pas mal. Dépend si on va arriver à gagner le concours ou pas. On gagne le concours de lama. Trois cadeaux, c'est vite fait. D'ailleurs, je pense qu'on va faire ça juste après. La petite, elle va pouvoir aller jouer avec ses jouets. Voilà, elle va construire une tour. Toi, tu vas aller voir les lapins. Discuter de l'écosystème, cadeau. Lui offrir un cadeau d'abord. On va lui offrir. Qu'est-ce qu'on va lui offrir au lapin? Un produit? Une chocobée. Offrons une chocobée au lapin. Là là. Allez, fais-moi un cadeau, petit lapin. Regarde, je te fais un cadeau. Ils sont trop mignons les lapins. Okay, interaction sociale, on va le
caresser. Cadeau. Prendre le cadeau. Voilà, il nous fait un cadeau. Oh, oh si c'est pas trop kawaii, il est trop mignon. Petit lapin. Vas-y, fais-moi un cadeau. Ok, 2 sur 3. D'accord, elle se met à faire des pompes comme ça, là. Bah, il me faut un autre lapin. Toi? Va discuter avec le lapin. Cadeau. Eh bah, prendre le cadeau. Il me l'a là qu'un cadeau direct. Bah, voilà. Voilà, voilà. Non, il m'aime pas? Pourquoi? Un petit mou. Ok, ça c'est fait. Et bien, il ne nous reste plus que l'objectif terminal, le final, le concours. On va récolter toutes les cultures. Hein, ça fera pas de mal. On va en replanter aussi. Ça, on va fertiliser. Hop, on fertilise. On fertilise aussi celui-là. Graines de produits géants. On va prendre. On va prendre laitue et aubergine. On va replanter ça. Non, pas un truc normal. Un produit géant que je veux planter. Plantons des produits géants. On va tout arroser et on va fertiliser. Fertilisons. Ok. Le poulailler, on va disperser de la nourriture. Et on va nettoyer. Oui. Nettoyer aussi un peu le poulailler. J'ai des volailles. On peut pas leur donner des friandises? Ah, faut peut-être leur donner une à une. Bon, pas bien les poules. J'en suis où? Il y a des poules, il me reste encore? J'ai plus qu'une seule poule! Mais c'est terrible. Vous occupez des poules. D'ailleurs, l'enclos des poules, il est trop petit. Faut que je l'agrandisse aussi. Mais me fous pas ça là! Va jeter! Voyons! Mais ça n'importe où. Voilà, nourrissons bien les poules. Elles ont faim. Elles ont très faim. Et d'ailleurs, toi, tu pourrais pas venir t'occuper des poules. En vrai. On va avoir des interactions sociales avec les poules. Hein. Comme ça, elle aide un petit peu à la ferme. Et une pierre de coups. Hein. On va aller faire des friandises pour le lama. Alors, c'est où déjà les friandises? Créer friandises pour animaux. On va faire citrouille. C'est une par une, c'est terrible. Friandises. On va faire épicé. Et on va faire... végétarienne pour des œufs verts. C'est ça qu'il me faudrait, c'est des œufs verts. Ouais. Si j'arrive à avoir des œufs verts, je pourrais faire des arcs-en-ciel. Et les arcs-en-ciel, ça serait pas mal du tout pour... pour avoir de la laine arc-en-ciel ou des œufs arc-en-ciel. Elle va jouer avec la poule. Ah, c'est plus un coq là, mais ça revient au même. Hein. Hey, coucou monsieur Carrig, comment ça va? Comment ça va-t-il bien en cette belle journée? Interaction sociale, on va caresser le petit poussin. On va jouer.
Oh, elle peut serrer le poussin dans ses bras. Mais écoute, moi, ça va très bien, monsieur Carrie. Ah là, elle s'amuse beaucoup avec les poules. Ça lui fait du divertissement, de l'interaction sociale. C'est très bien. Il faut envoyer la petite jouer avec les... Avec les poules. Ok, elle a déjà fini. Eh ben, c'est bien. D'ailleurs, en parlant de poule, elle est où, ma poule? Elle est là. Appelez poule brune. Faudrait que je lui donne les friandises vertes. Végétarienne. Qu'elle me fasse un œuf vert. Ah, elle prend le poussin dans les bras. Elle fait un câlin au poussin. Ben voilà. C'est-il pas mignon? Yeah, full bordel. Ouais, on apprécie. Ok, la poule, elle est là. Donnez une friandise. Du coup, c'est une friandise végétarienne. Œuf vert, voilà, c'est ça. Si, totalement ça. Et puis tu me nettoieras un peu le bordel que la petite elle a mis. Bah oui. Partie faire quoi d'ailleurs? Faudrait qu'elle mange à la fin la petite. On va lui faire à manger. Mange ta friandise verte à la poule. Ouais ouais. Je veux un œuf tout vert. Ça me fait une poule verte ou pas d'ailleurs? Non, elle cherche pas de couleur. Récolte de 6 heures, œuf vert. Et ben voilà. Manger. Manger. Faire à manger pour la petite. Donner à manger à Yuna. Ah, petit pois. Petit pois, ce sera très bien. Et il est déjà 19h, après elle va aller se coucher. Non, tu vas pas dormir maintenant. Tu vas manger avant de dormir. Voyons. Tu manges tes petits pois et ensuite tu pourras aller faire un gros dodo. Ok, quand elle a fini de manger... Je lui lis une petite histoire pour s'endormir. Mais quand elle a fini de manger, elle laisse la manger d'abord. Voilà, elle a mangé. Toi, ensuite, tu vas aller aux toilettes. Prendre une petite douche tiède. Tiède. Et puis, c'est pareil, tu vas pouvoir aller dormir demain, grosse journée. Demain, il y a le concours. Aïe, j'espère qu'on va le gagner. Sinon, il faudra attendre la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine d'après, ce sera quoi? Ce sera les volailles! Concours d'œufs! Et de volailles. Là, on part sur la laine et les lamas. Moi, non, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est dans la salle de bain avant d'aller tirer la... l'histoire à la petite. Ok, t'es pas du tout allé aux toilettes en fait. T'abuses? Eh, faut qu'il arrête de venir lui, hein. Lui a dit que c'est plus la peine. C'est fini. C'est bon. Non mais... Bon, elle est pas très fatiguée, mais faut qu'elle dorme. Hein. Allez. Tout le monde y fait dodo. Pourquoi tu te réveilles maintenant? Il est 22h, c'est beaucoup trop tôt pour te réveiller. Ah, t'abuses. Ok, elle a envie de peindre. Et bon, on va la laisser aller peindre. Ça fera un peu de sous. Et nous peint quelque chose d'incroyable. Oh, il a l'air joli en plus sur le tableau.
Ah, 500 Simflouz. Je le garderai bien en vrai. On va le garder. On va le mettre dans la chambre de la petite. Hop. Juste là, au-dessus de son lit. Comme ça, c'est mignon. On peut lui mettre un cadre aussi. Cadrer la toile. Voilà. Parfait. Bah tu vas du coup nettoyer l'abri des animaux. Hein. Elle est élevée, elle bosse. Hein. Ici, il n'y a besoin de rien. Il n'y a besoin de rien. Mais c'est parfait, tout le potager va très bien. Tout le monde y dort sauf elle. Non, tout va bien. M'énerve qu'elle dorme pas. Tu vas retourner te coucher quand même. Faut dormir. Sinon, demain, elle va être épuisée alors qu'elle a plein de trucs à faire. Ça va pas le faire. Oh, ça, c'est de la grosse citrouille. Ça, c'est de la très grosse citrouille. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau, de la grosse citrouille. Sûr que je pourrais gagner le... Je pourrais gagner le concours aujourd'hui. Ah non, c'est le truc de bagarre. Non, c'est le quartier, c'est le... Ok, non, c'est bon, j'ai cru que... C'est bon. Tout va bien. J'ai cru que c'était un anniversaire. Non, mais par contre, va pas manger la brioche. Faut que t'arrêtes de vouloir manger de la brioche. Cuisine! Fais du vrai manger! Voilà, toast avec œuf pour le petit déjeuner, c'est parfait. La petite, elle est encore au lit et c'est très bien. On va la laisser dormir pour le moment. Ok, elle vient de se lever. Oh non! Je peux pas la... Je peux rien faire. Non, elle devait me faire un œuf vert, ma poule! Oh! Rip la poule. Adieu, poupoule. J'espère qu'elle m'a pondu un œuf vert, non? M'a rien pondu du tout. Bah, j'y peux rien, moi. Elle était trop vieille, ma poule. Elle est décédée. On va voir si elle me l'a fait mon œuf vert, mais j'ai un peu des doutes. Je crois qu'elle est morte avant de pondre des œufs. Tu vas où toi? Non, tu vas pas foutre le bordel, je sais pas où. Tu vas prendre ton petit déjeuner, donner à manger. Ah, on a pu faire une compote de pommes. Tant pis, ce sera. C'est une excuse ça. Ah, bah, j'y peux rien moi si elle est morte. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai essayé de supplier la mort, elle veut pas. Je crois que mon chat il a faim. Je vais donner à manger au chat aussi. Remplir. Remplissons la gamelle du chat. Ok, ensuite tu vas pouvoir l'enlacer tendrement. Enlace un peu tendrement ta fille. Ça fera pas de mal. Ok, la pause pour lui refaire un câlin ensuite. Ok. La petite, alors ma grande, toi tu vas aller tranquillement étudier les formes. Hein? Tu vas t'occuper. Toi tu vas aller ramasser les œufs. Est-ce que j'ai un œuf vert? Il va falloir s'occuper un peu de tout ça.
On va tout désherber, tout arroser. Je crois que j'ai mon œuf vert. Ouais, j'ai mon œuf vert. C'est beau, elle a eu le temps de le pondre. Non. Ouvrir. Ouvrir. Hop, on met ça au frigo. Plus de choix du coup. Créer friandise pour animaux. Normalement, je dois pouvoir faire une friandise arc-en-ciel. Voilà, parfait. Avec ça, je suis sûre on va gagner le concours. Je suis sûre on gagne le concours avec la friandise arc-en-ciel. Allez, arrose tout ça. On va donner la friandise arc-en-ciel au lama. On va le tondre et ensuite on va partir pour la fête. Hein. Pour la fête. Et elle m'a cramé le frigo. Non, mais super. Ok, du coup, le lama, plus de choix. Donner une friandise. Friandise arc-en-ciel. Tu vas le laver, interaction sociale, le couvrir d'amour, plus de choix. Est-ce que c'est normal que... Elle est où là? Ok, je crois que ça veuille un petit peu. Bon, il est arc-en-ciel, c'est le principal. Elle lui a donné la friandise sans être là. Hein. Tout va bien. On va lui donner à manger. Et on va le tondre. On va récupérer cette magnifique laine arc-en-ciel. Allez. Tondre. Il est beau arc-en-ciel comme ça, le lama. C'est original. Magnifique. Magnifique lama. Chut, toi, arrête de m'appeler. Normal, rare. Normal seulement. Oh merde. Pourquoi elle est toute nulle, ma laine? Ok. Bah, je sais pas si je vais utiliser la laine arc-en-ciel du coup. Par contre, il faudrait que je l'emmène, le lama. Comment on fait déjà pour... Non, c'est dans les actions, je crois. Mettre dans l'inventaire. Allez hop, on met le lama en poche. Tout à fait normal. Réaliser la zone avec des insecticides. On va tout récolter, les tomates, tout désherber. Puis on va y aller. Hein. Ah, du coup, je sais pas. Est-ce que je présente la laine arc-en-ciel ou la rose? La rose, elle est quand même insolite et d'excellente qualité. L'arc-en-ciel, elle est rare, mais la qualité n'y est pas, elle est juste normale. Celle-là, elle est pas mal, hein. Insolite, excellente. Ah! Je vais présenter la rose. Ouais, on verra bien. Au pire, on gagne pas. Hein. Puis voilà. Bon, la maison, c'est le bordel, hein, mais à part ça, tout va bien. Toi, tu vas aller jouer avec tes cubes. Et nous, on va y aller. Là, juste peut-être. Aller aux toilettes. Tu vas peut-être me réparer ça avant. Quoi, elle peut pas le réparer? Ah si, il est réparé. Oh, hey, j'ai eu peur. Si, tu me répares ça, ma grande.
Je vais aller prendre ensuite une petite douche tiède et rapide. Comment c'est à quelle heure le concours? Le concours, il commence à 15h30. Ça va, on a le temps. On a largement le temps de me réparer le frigo avant de partir. Voilà, et puis tu vas me nettoyer aussi tout ce bordel. Ah, parce que c'est vraiment le bordel. Dans l'inventaire, on a bien la main. Oui, on a bien la main. Ah, ça, on peut faire évoluer. On fait évoluer la petite plante. Ben, on va pouvoir y aller. Hein. Et il faut aussi se fighter avec quelqu'un. Hein. Ouais, a aussi falloir faire une petite bagarre normale. Pour cette belle journée de bagarre, on va taper des gens. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle a besoin d'aller aux toilettes. Mais va aux toilettes, tu peux y aller toute seule maintenant, t'es grande. Allez, allez sur le pot. Alors, toi tu te tais et on va y aller. Allez! Allons essayer de remporter ce concours. On verra bien. Et on va taper quelqu'un là-bas. On pourrait peut-être essayer de soudoyer le juge aussi. Jamais tenté. On pourrait tester. Hein. Ça n'a pas encore commencé. Est-ce que je peux taper toi? Bonjour, présentation amicale. Bonjour, c'est la journée de la bagarre. Est-ce que tu veux bien te battre avec moi? Ah, quel festival qui commence. Bonjour. Se battre. Allez. Bonjour, ça va? On se bat. Baston. Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner? On a fait une présentation amicale quand même avant. Violence. Ouais, on a gagné. Ah, il se faut un câlin après, c'est bon. Tout va bien. On va peut-être pas se rebattre. Amical. Voilà, on va s'enthousiasmer pour la cuisine. C'est pas encore validé, il faudrait se battre encore. Viens, on se fight encore une fois. Allez. Deuxième baston. Mon amical. Bon, après, faut que j'aille présenter mon lama et ma laine. Pour le concours. Oh, ce qu'elle humait. Attention. Victoire! Et câlin, voilà, elles aiment bien se battre. Allez. Comment on présente le lama? C'est où qu'on présente le lama? C'est là. Proposer une participation. Proposons une participation. Ah, lama belge, j'en ai pas 50 des lamas. Ok, et on va proposer une participation pour la laine. J'espère que je fais le bon choix avec la rose. Voilà, excellente, insolite. Allez, c'est parti, on propose la rose. Insolite normale. Commune normale. La mienne est mieux, non? On va voir la partie. On va regarder. Regardons la participation de cette laine-là. Ah, mais lui, il m'énerve à m'appeler tout le temps. Par contre, c'est toujours pas validé, la bagarre. Hein. Regardez cette texture, cette couleur, la solidité des fibres, la pureté. Cela ne m'étonne pas que cette laine gagne le concours. Aïe! C'est pas bon.
Tenter de corrompre la juge, ce serait... Pourquoi pas, ça se fait pas, mais ça peut peut-être se tenter, hein. Et Akito, merci pour ton follow, bienvenue à toi sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Par contre, on va peut-être pas se battre avec elle. On va peut-être pas se battre... Avec la juge, ça risque de pas le faire. On peut se renseigner sur sa carrière. Ça, on peut. Faut se battre avec quelqu'un. Faut se battre avec quelqu'un. Qui c'est qui veut se battre? Elle encore? Non mais elle, je crois que ça fonctionne plus. On peut aller se battre avec elle. Bonjour, madame. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut se battre avec toi? Tiens, on va partager le jour... l'esprit du jour de bagarre. Et on va se battre. Allez. Ça se valide, hein. Allez, baston! Normal. Oh, c'est une ouillonneuse. C'est toujours pas validé. Faut se battre plus que ça. Elle veut se battre, elle. Présentation amicale. Est-ce que tu veux te battre? Allez, viens, on se bat aussi avec toi. On se bat avec tout le monde aujourd'hui. Vraiment, elle a remporté tous ses combats. Hein. Quelle violence! Eh, hey, c'est encore une victoire par KO! Voilà, là, c'est validé. Ouais, je me demande si on va pas tenter de la corrompre. Allez. On le fait, on tente de la corrompre. C'est peut-être pas un bon plan, mais c'est pas grave. Je suis sûr que ça peut le faire. Ah, elle a pas voulu. Merde. Ah, elle est pas contente. Oh, ça pue. On s'excuse, on s'excuse. C'est bon, on s'est excusé, tout va bien. Et on prendra pas compte. Non, on va pas l'insulter. Ah, un autre malaise en plus. Eh. Bon bah on verra bien comment ça se passe. Hein. Ah, on aura tenté. C'était peut-être pas une bonne idée, mais on aura tenté. Ah merde, les commerces ils sont fermés. Ah, dommage. Est-ce qu'elle a des chances de gagner quand même ma laine ou pas du tout? Le lama, je suis pas sûre. Mais peut-être la laine, elle peut... Peut-être gagner avec la laine. La laine rouge, en tout cas, elle avait l'air incroyable. Waouh, c'est clairement la plus... laineuse des laines. Elle doit forcément provenir d'un lama extraordinaire. Ah ouais, il vient d'un lama extraordinaire, ma laine. Incroyable. Sinon, ça finit quand, là, le concours? Bientôt, je crois, non?
J'aimerais bien voir les résultats, c'est possible? Bah, j'espère qu'elle me tiendra pas rigueur de cette de tentative de corruption ratée. Allez, on veut les résultats. Dites-moi que j'ai gagné. S'il vous plaît. Le festival se termine dans une heure. Allez. Mais elle va où elle? Elle va se réchauffer? Quoi, il fait froid? Il fait combien? Ah ouais, il fait frais. Pourtant, on est en été quand même. Bon, ils peuvent venir ces résultats. Oui, je sais, ça fait 20 fois que tu notes Malène quand même. Il y a un moment... Elle avait un cœur. Elle aime bien Malène. Elle aime Malène. Malène est incroyable. Allez, les résultats. Troisième place. Non. Félicitations, votre laine a obtenu la troisième place. Oh, abusé. Et le lama? Troisième place aussi pour le lama. Félicitations, votre lama a obtenu la troisième place. Ah, du coup, ça compte pas du tout. Ah, bah non, faut le gagner, le concours. Eh bah, c'était pas loin. Troisième place, on était pas loin. Pour les deux, en plus. Ah, c'est terrible. Malène n'était pas suffisamment incroyable. RIP. RIP. Eh bah du coup, va falloir encore faire une bonne semaine. On va donc se préparer pour le prochain concours qui sera celui des poules. C'est déjà la nuit. Attends, parce que ça déjà, hein, on fertilise la culture. Ça aussi, très important, ces deux-là. Et tout désherbé. La petite, elle est où? Elle descend les escaliers difficilement, mais elle les descend. Qu'est-ce qu'on peut te faire faire, toi? Tu vas aller sur le pot. Va sur le pot. Tu vas faire un énorme câlin à ton ours. T'as le droit de le frapper aussi, c'est la journée des bagarres. Et tu vas construire une tour. Voilà, on l'occupe tant bien que mal. Ok, du coup, la semaine prochaine, c'est les volailles. Les petites volailles. Alors qu'on fasse des volailles incroyables. Ça va être problématique, hein. Les poules, c'est pas trop ça. Quand même que c'est pas ça du tout. Arrête de vouloir manger de la brioche. Cuisine. Cuisine des bonnes choses. Qu'est-ce que tu pourrais manger ce soir? Tiens, mange des tacos au tofu. Hop, portion individuelle. Après, tu me nettoieras ça parce que la petite aussi, elle voudrait bien manger avant d'aller dormir. Oh, mais la troisième place, je suis dégoûtée. Elle était pourtant magnifique, Malène. Est-ce que c'est à cause de ma tentative de corruption? Est-ce que c'est possible que ce soit à cause de ça? Et je ne sais pas et je crois qu'on ne saura jamais. Sinon, il est minuit. Elle mange à minuit. La petite fait sa vie à minuit. S'amuse avec son ours. Et elle ne dort toujours pas. Normal. Ouais, puis il faut qu'elle mange avant de dormir. Ok, tu me nettoies du coup tout ça. Tu vas donner à manger à Yuna. Tu vas lui donner... des biscuits au fromage. Ce sera très bien.
Yuna, tu vas manger. Arrête de jouer. Par contre, elle a encore cassé un truc. Eh oui, elle m'a cassé le lavabo. Super, on apprécie. Ok, tu vas aller aux toilettes et ensuite tu vas lire une histoire à Yuna pour l'endormir. Pam, pam, pam. Allez, au lit la petite et ensuite tu vas aller dormir également. Bah oui. Oui, de oui, il faut dormir. Allez, tout le monde au lit. Ah mais il veut vraiment pas me laisser tranquille lui. Ok, tu as commencé ta journée en me réparant ce lavabo. Ouais, Yuna, elle peut se débrouiller un petit peu toute seule. Alors, insecticide, fertiliser, fertilisons encore plus. J'ai plus beaucoup d'engrais cette équipe et j'ai rien vendu. J'ai pas vendu mes produits au festival hier. Cette équipe, j'ai complètement oublié. Ah! J'ai pas remis le lama aussi. Et comment est-ce qu'on le remet? Attribuer. Hop! Retourne dans ton enclos, le lama. J'ai plus de vache. Un animal. Oh, j'ai plus ma vache. J'avais une vache il fut un temps. Elle est peut-être décédée aussi, elle. On va acheter une vache. Allez. En vrai, cette citrouille, elle est magnifique. Elle peut gagner un concours, hein, cette citrouille, je suis sûre. Après les poules, c'est les vaches. Ah non, non, il y a des légumes avant. Non, non, la semaine prochaine, enfin cette semaine, c'est les poules. Après, ce sera les légumes. Parce que là, vu la citrouille. Je suis sûre que tu peux gagner un concours avec cette citrouille. Et où est-ce qu'elle va, la petite? Mais t'en vas pas? Va plutôt sur le pot, voyons. Ta mère, elle va venir s'occuper de toi. Mais laissez-moi tranquille, arrêtez de me harceler comme ça. Ok, on va disperser de la nourriture aux poules. Et puis tu vas venir donner un bain tiède à Yuna, qui va en avoir bien besoin. Un bon petit bain. Pas très chaud, hein. Pour oublier, on n'a pas l'eau courante, nous, ici. Hein. Et on n'a plus d'eau. Faudrait que j'aille chercher de l'eau aussi. Hein. Ça va être un bon plan. Tiens, on n'a plus d'eau. On a l'électricité, mais on n'a plus d'eau. Normal. Elle en a foutu partout, la petite. C'est tout crade de partout, c'est magnifique. On apprécie. On va aller tout récolter, après on ira tout vendre au marché. Là aussi, récolte tout. Là, ça pousse gentiment. On récolte. On récolte, on récolte. On va aller faire un petit peu des sous. De la monnaie. On a bien besoin. Bah toi, ma grande, bah tu vas faire ta vie.
Va te laisser tranquille, tu vas faire ce que tu veux. Hey, coucou, quoi, comment tu vas? Comment ça va bien? On devrait pouvoir faire un peu de sous là, avec tout ce qu'il y a récolté. Bah écoute, moi ça va toujours. Hein. Moi ça va très très bien. Si ce n'est qu'on a eu la troisième place au concours, ça c'est terrible. Qu'on n'a pas gagné. Tout ce qui nous manque pour terminer ce défi, enfin ce challenge. Faut qu'on arrive à gagner un concours, quoi qu'il arrive. On doit gagner. Ok, c'est parti, on va aller en ville, on va aller vendre un petit peu toutes nos petites récoltes. Va faire un petit peu des sous. Bah ouais, ça va, c'est bien troisième, mais c'est la première place qu'il me faut. Ah oui. La prochaine fois, je dis on gagne. On va s'améliorer. Du coup, on va vendre du basilic, peut-être pas tout. On va en garder trois. On va vendre des cerises. Allez, on vend un peu tout ça. Pareil, les cerises, on va en garder trois. Pareil pour les champignons. Champignons épicés, c'est pareil. On en garde trois. Les chocobay. Chocobay, choco. Le citron. Les confitures, ça, je les garde. L'engrais, je garde. Les friandises, je garde. Les haricots verts. Allez, vendons des haricots verts. Des bons petits haricots. La laine beige, je peux en vendre beaucoup. Ouais, on peut vendre ça. Hop, on va en garder trois aussi. Comme ça, ce sera très bien. La laine colorée, on va garder un petit peu. La maillot, on garde. Les myrtilles, allez, on vend. Les mûres. Petit peu d'oignon. Pommes, je garde. Pommes de terre, on va en vendre un peu. Raisins. Tomates. Vendons nos petites tomates. Et un œuf. 1400. Ça va. Qu'est-ce que t'as de beau à vendre? Et ensuite, tu vas aller voir aussi ce qu'il y a de beau à acheter là-bas. Des bananes, du lait. Non, ça, je veux pas. Peut-être une carotte. On va planter des carottes. On n'a pas de carottes. Farine, framboise, fromage. Fruit du dragon, il coûte tellement cher. Pour être bien aussi d'avoir ça un de ces jours. Hein. Du poisson, non. Je crois que j'ai pas besoin de la viande. Elle est végétarienne, alors pas de viande. Ok. Moi j'avance tout doucement sur Lost Ark. Oui, bah de toute façon, on avance tranquillement. Hein. On n'est pas pressé, il n'y a pas le feu. Chacun avance à son rythme, gentiment. Lentement mais sûrement. On va acheter de l'engrais. Moins de soucis, c'est à quoi celui-là? Darienne. Pas trop ce que je voudrais, hein. Ok, bah c'est tout, on va juste acheter un petit peu d'engrais. Ok. Et ben on rentre à la maison. On a 1400 simflouz. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas grand-chose en vrai. En vrai, on peut pas faire grand-chose avec 1400 simflouz. Terrible. Faudrait que je rachète des poules, je crois.
J'ai des poussins, mais il faudrait peut-être acheter des poules. Amélioration de la maison, ce sera pas pour tout de suite. Acheter des volailles. Des coqs, non, je veux des poules. On va prendre une blanche, une brune et une noire. Ce sera très bien. D'ailleurs, j'ai combien de coqs? J'ai deux coqs en vrai, je pourrais en vendre un. Tout arrosé, tout désherbé. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qu'elle a? Ah oui, bah, elle est pas contente parce qu'elle a mis... Elle a foutu le bordel sur le pot. Oui, bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Retourne jouer avec tes cubes. T'en es où, toi, d'ailleurs, de tes compétences, un peu? Ah, il lui manque juste la réflexion. Attends. Ah! Vas-y, étudie les formes. Elle a faim. Non, elle a pas faim. Elle va très bien. Non, c'est pas là. Ouais, elle a un petit peu faim quand même, mais ça peut attendre. Elle va très bien, cette petite. On est occupé, hein. Pas que ça a à faire que de donner à manger à la petite. Ok, on va disperser de la nourriture. On va s'occuper un peu des poules. Elles ont besoin. Interaction sociale. On va caresser les poules. Offrir d'amour. On va lui donner une friandise. Friandise amicale. Interaction sociale. La couvrir d'amour. Ok, ma poule me déteste. Cette poule veut me tuer, je crois. Tout va bien. C'est normal. J'ai un coq blanc et un coq... Coq noir. Adulte très heureux. Adulte plutôt heureux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nettoyer ça. Faudrait que j'en vire un de... On va virer le blanc. Comment on fait déjà pour action? Échanger contre. Contre des friandises pour animaux. Ouais. On va l'échanger contre des friandises. Oh, mais elle est énorme cette citrouille! Regardez-moi ça! Waouh! Ça, c'est de la citrouille, hein. La patate. Non, c'est pas une patate, c'est une citrouille, hein, mais bon. Oui, j'accepte de l'échanger. Mais elle lui dit de dégager, quoi. Ok. Récolte toutes les cultures. Montre-moi un peu cette citrouille absolument incroyable. Récolte cette citrouille. Oh, citrouille géante, qualité parfaite. Eh. Eh. 31 kilos, la citrouille. Ça, c'est de la citrouille, hein, moi, je vous le dis. Alors, plus de choix. Ouvrir. On va mettre la citrouille au frigo. Le champignon aussi, un champignon géant, parfait, magnifique, incroyable. Il y a moyen de gagner un concours avec ça, moi je vous le dis. Hein, un origami? Oh non, mais... Ah non, mais... Sans commentaire, voilà. Du coup, elle va manger un petit peu. Elle va peut-être donner à manger aussi à la petite. Ouais, tu manges et puis tu vas... donner à manger à Yuna, on va lui donner une compote de pommes, ce sera très bien. Et puis il y a un peu de ménage à faire. Un peu beaucoup. Ouais. C'est un peu le bordel. Tu vas me jeter tout ça, tu vas utiliser l'huile de coude, tu vas essuyer. Je pense que tu vas peindre un petit peu pour faire un peu de sous. Pour le classique, allez. Pourquoi elle pleure? Ah là, elle a faim. Là, elle a vraiment faim, par contre.
Elle commence à avoir très faim. Ok, fini de manger, après il faut que tu donnes à manger à la petite. Allez, donnez à manger à la petite aussi. Voilà. Donne la compote de pommes à la petite. Donc ça va attendre un petit peu la peinture. Ok, elle a fini de manger. Tu la laisses sortir. Puis tu pourras... Toile classique. Ok, une grande toile classique. Ouais. Essayons de faire un peu des sous avec la peinture. Parce que là, j'avoue que les cultures... Ça rapporte pas des masses. Et il faut vraiment que je lui mette une poubelle. Hein. C'est le bordel dans cette maison. C'est incroyable. Retourne sur le pot, toi. Et t'en mets pas partout cette fois. Si elle pouvait me faire un chef-d'œuvre qui se vend super cher, ce serait top. Ah, 600, allez, vendre. Ça commence à être une pro de la peinture. Hein. Ok, tu m'en refais une autre. Refais-moi une autre peinture incroyable. Il joue avec le chat? Ah, si, c'est pas mignon, ça, il joue avec le chat. Tiens, tu peux le caresser aussi, le chat. Cette petite a beaucoup de relations sociales avec les animaux. Faire un câlin. Avec sa mère, moins. Mais avec les animaux, beaucoup. Ok, une fois que t'as fini, tu vas lire une histoire. Réparer la griffure. Ah oh, bah super, le chat, il a tout cassé. Magnifique. On apprécie. Le chat qui dort sur le lit et tout. Il a un magnifique coussin là, ici, il dort sur le lit. C'est normal. Yeah. 500, allez, ça se vend. Ça se vend. Tu vas aux toilettes, tu vas me nettoyer ça. Ah non, c'est dans le frigo, il y a des trucs périmés. Enlever la nourriture gâtée et tu vas aller dormir. Allez! Ok, mode chat. On va racheter une poubelle absolument incroyable. Je ne sais plus où c'est. Poubelle. Voilà, celle-là qui me permet de générer de l'électricité. Elle est parfaite. Et on va la mettre dans la maison parce que juste une poubelle là-bas, c'est pas terrible. Voilà, comme ça on va pouvoir avoir, je pense, une bonne source d'électricité. Je pense qu'avec ces poubelles, on est pas mal. Hein. On est très très bien en vrai en termes d'électricité. Clairement moyen de se mettre un petit peu des trucs électriques. Ça pourrait être utile. Peu de ménage, vas-y, fais un peu de ménage. Allez, tout le monde dort. Il est déjà 1h du matin. Il est déjà très tard. J'ai pas des plantes à faire évoluer là. Oui, faire évoluer. Et aussi, faire évoluer. Ok, tu vas aller prendre une douche rapide et froide. Et tu vas me nettoyer ça et tu donneras à manger à Yuna après. Allez, on fait le ménage. On va donner à Yuna des céréales pour le petit déjeuner. Ça sera très bien. Faut que tu te réveilles par contre, ma grande.
8h du matin, faut se lever, hein. Allez, hop. Fais pas de crasse matinée à la ferme. Tu iras t'occuper des poules aussi. Tu vas avoir plein de relations sociales avec les poules. Cette petite, ça va être l'amie des poules. Oh, le courrier qui arrive, ça fait pas plaisir. Allez, laisse la petite se lever, tu vas prendre ton petit déjeuner. Bah, toast avec œuf pour le petit déjeuner, ça sera parfait. Toi, tu vas aller sur le pot. Et je te le dis, après, tu vas avoir tes relations sociales avec les poules. Vas te faire copine avec les poules. T'aides un petit peu à la ferme. Bah ouais. Ouais. Oh, 557 simflouz de... Oh, ça fait cher. On va repeindre d'abord. Ouais, on va faire une petite toile classique. Bah alors, elle a bugué ou quoi, elle? Ouais, va falloir replanter des choses et tout, va y avoir plein de choses à faire. Allez, va jouer avec les poules. Ça t'occupera de ta journée en plus. Tu sais pas quoi faire. Ce sera parfait. On a un petit peu de récolte. Ça fait plaisir. Ouais, et beaucoup de nettoyage. D'abord, il va falloir payer les factures. Là, je fais d'abord un petit tableau parce que là, ça va être compliqué avec 500 simflouz de factures alors que j'en ai 717. Ça risque d'être compliqué. C'est bon, les poules, elles t'aiment? C'est des poules heureuses? Fais-moi des poules heureuses! Je crois qu'elles ont faim aussi, mais t'inquiète, ça va venir. Elles vont manger. Un petit peu occupées avant. Quoi ce tableau? Ça représente quoi ce tableau? En tout cas, on le vend, ça fait des sous et on va... Payer les factures, on le revend combien? On le revend 500. 600. Ah bah c'est parfait, ça nous paye les factures. Allez. Nathan, tu vas où toi? Mais non, mais va pas regarder ta mère, ça sert à rien. Elle a foutu le bordel en plus. Va faire des câlins aux poules. Ok, toi tu vas disperser de la nourriture, tu vas me nettoyer ce poulailler qui est dégueulasse, ramasser les œufs, la vache est dégueulasse aussi. Allez, hop, on lave la vache. On lave le lama. Il y a du boulot à la ferme. Il y en a des choses à faire. Et en plus, ça va me poser ça à côté. Voilà, magnifique. Pose-moi tout le bordel à côté. C'est vachement mieux. Ok, elle a ramassé 6 petits œufs. On va les vendre, hein, les œufs. Qualité normale. Rien de bien incroyable. Attends, avant d'aller t'occuper de tout ça, tu vas finir de t'occuper de la vache, en fait. Interaction sociale, on va la caresser. Interaction sociale, on va la couvrir d'amour. La nourrir et surtout la traire. Remplir la mangeoire, nettoyer la brie. Voilà. Il y en a des choses à faire. Honnêtement, le concours de volaille.
J'y crois pas. On le gagnera pas celui-là. Mais il est malheureux, mais j'y peux. Moi, il est tout le temps malheureux. Faut rater, hein. Allez, nettoyer l'abri, nourrir. Non, je veux pas le nommer. Je vais appeler le lama vu qu'il est triste. On va s'occuper de lui. Hop, un peu de ménage. En vrai, il faudrait deux adultes, hein. Toute seule, ça devient très compliqué de s'occuper de tout ça. Allez, on va le laver. Interaction sociale, on va le caresser. On va le couvrir d'amour. Et on va lui donner à manger. Et le tondre. Allez, on le tond. Ça, on aura plein de choses à vendre aujourd'hui. Le lait, la laine, un peu de récolte. Alors, replanter des produits géants aussi. Donc, on a fait une citrouille absolument incroyable. Il est excellent quand même, mon lait. Hein. Il est normal, mais il est excellent. Ok, par contre, tu vas me jeter tout ce bordel. Tout ça, là, tout. Tu jettes. Nettoie aussi les conneries que la petite, elle a fait. On récolte tout. Là, on va acheter. On va refaire citrouille et champignons. Et on va replanter citrouille et champignons. La petite, elle commence à avoir faim en plus. Alors, lui faire à manger. On est un peu occupé quand même. Ok, en plus il faut tout arroser. Ok, et tu vas donner à manger à Yuna, tu vas lui donner un sandwich au beurre de cacahuète. Le chat miaule beaucoup quand même. On arrose les plantes. Yuna, faut que tu viennes. Viens manger. Ton sandwich qui t'attend. Viens manger ton sandwich au beurre de cacahuète. Allez, régale-toi. Toi, tu vas me nettoyer un petit peu ça en attendant que la petite aime mange parce que c'est le bordel. Et puis. Puis tu vas me nettoyer. Non, pas mettre dans l'inventaire. Fais pas ça. Nettoie-le. Faut qu'elle aille aux toilettes, la petite. On parle? On en parle qu'elle vient de me poser le déchet juste à côté de la poubelle? Est-ce que c'est normal? Je viens me jeter ça vraiment dans la poubelle, s'il te plaît. Et pas à côté de la poubelle. Oh, tu la laisses tranquille, cette petite? Ok. Enlever la nourriture gâtée aussi. Mais pourquoi tu veux pas la laisser tranquille? Laisse-la! Elle va aux toilettes! Laisse-la aller aux toilettes! C'est une grande fille, hein. Elle peut y aller toute seule. C'est beau. Regardez, mais arrête de la regarder. Viens, va faire. Viens caresser le chat plutôt. Alors, elle la regarde, elle est sur le pot. C'est bon, c'est y aller toute seule maintenant. C'est une grande. Par contre, tu vas pas mettre le bazar une fois que t'auras fini. Et ta mère, elle va venir te raconter une histoire pour t'endormir une fois que t'auras fini de faire ce que t'as à faire sur le pot. Voilà, tu vas aller faire un gros dodo. Ta mère, ensuite, elle va aller utiliser les toilettes. Elle va prendre une douche tiède.
Et va aller dormir aussi. Et on n'est absolument pas allé vendre nos produits parce qu'on n'a pas le temps. Il y a trop de choses à faire dans la journée. C'est terrible. Beaucoup trop de choses à faire dans une journée. Pas assez de temps. Faut des journées plus longues. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais elle danse, mais elle danse pas! Dehors! J'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle la met au lit, mais. Ouais, et elle est pas allée aux toilettes. Ah, il se passe des choses bizarres, hein. Allez, prends ta douche, va aux toilettes et va te coucher. Oui, je sais que t'as envie d'aller aux toilettes, et bah vas-y. Incroyable, elle a rien cassé en plus. Ça, c'est magnifique. Le chat ne dort jamais dans son panier, hein. C'est incroyable. Déjà debout à 3 h du matin, eh ben t'es motivé. Allez, cuisiner, petit déjeuner. Petit déjeuner, petit déjeuner. Œuf brouillé avec bacon. Allez. Va pour des œufs brouillés au petit-déj. La petite, elle dort, on la laisse dormir. Mais pourquoi elle est triste? Oh merde, elle a mangé de la viande! Elle est végétarienne! Voilà pourquoi elle est pas bien! Ah! Tiens, bah t'as qu'à faire une toile triste, voilà. Parce que t'es triste, tu vas faire une toile triste. Mais pourquoi elle est d'un coup elle est mal à l'aise comme ça? Ah, oh, parce qu'elle a mangé de la viande. Mais qu'est-ce qui peut être chiante? A rien à faire là, vraiment? Non, mais c'est parce qu'elle est pas bien, alors elle veut rien faire, d'accord. Non, mais autant pour moi. Elle ne veut rien faire tant qu'elle ira pas mieux. Elle va faire un peu de ménage. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de la nettoyer aussi, non? C'est bon, madame va mieux. Voilà. Ok, la petite va bientôt se lever. Du coup, tu vas faire ta toile et ensuite tu vas donner à manger à Yuna. Bon, pote de pomme ce matin. Allez, on va pas manger non plus que des céréales, hein. Faut changer de temps en temps. Pas pour une compote de pommes. C'est quoi ce truc hyper moche? Et ça se revend 300 simflouz en plus. C'est moche? Ah, ça fait 10 sous. On prend. Ok, tu vas laisser la petite sortir, elle va aller aux toilettes. Et puis après, on la laissera vivre sa journée comme bon lui semble. On va la laisser tranquille. Ok, on est reparti pour s'occuper du champ. Insecticide. Et c'est tout. Là, faudrait tout arroser. Tout désherber. Tout récolter.
Et là, aujourd'hui, on va aller au marché. On va les vendre. Mais alors, tu viens t'occuper de tout ça un peu? Qui c'est qui est triste encore? Arrêtez d'être triste. Ok, tu vas ramasser les œufs, tu vas disperser de la nourriture, nettoyer l'abri, et t'as trop de choses à faire. Beaucoup trop de choses. Allez hop, on accélère un peu tout ça. On va pas y passer la journée, hein. Elle a tellement pas le temps de s'occuper de tout quand même. Il y a trop de choses, et encore, on n'a pas beaucoup de revenus. Faudrait qu'il y ait plus de culture. Mais je sais pas si elle peut assumer plus de culture que ça, hein. Ça me paraît un petit peu compliqué. Ok, tu vas laver la vache et tu vas la traire direct. Pareil pour le lama, on le lave et on va le tondre. Et puis ensuite, on ira vendre un peu tous nos produits. Il faut se faire un petit peu du sou, il faut arriver à automatiser un petit peu les choses, ça pourrait aider. Que la petite grandisse aussi pour aider un peu à la ferme, ça ferait pas de mal, hein. Ok, t'as bien tout récolté partout ici aussi. Hop, tout récolté, on récupère. Les abeilles, elles sont tout le temps furieuses, hein, je sais pas. Je sais pas m'occuper des abeilles. Je sais pas c'est quoi leur problème, mais elles ont un problème. Allez, c'est parti, on va les vendre. Allons faire un petit peu de sous. Non, c'est là que je vais. Bonjour madame, on vient vendre des produits. J'ai plein de belles choses à vendre. Alors, le lait, on va tout vendre. Ah oui, j'avais acheté une carotte aussi parce que je voulais la planter et ce n'est absolument pas fait. Eh oui, trop de choses à faire, pas le temps. C'est terrible. On va vendre un petit peu des champignons épicés. Allez, on vend des chocobés. Hop, la confiture, j'ai dit, je garde les engrais, je garde les friandises aussi. Les haricots verts. Hop, on vend la laine beige. On va tout vendre. Hein. Hop, allez, voilà. Ok, on a des myrtilles. On a des mûres. On a des oignons. La pomme, il faudrait peut-être que je la plante aussi, non? Hop. Les tomates. Vendons des tomates. Vendons les œufs. Tous les œufs. Voilà. 1300. Ça va, c'est quand même rentable tout ça. Regardons un peu ce qu'on a à vendre aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas de choses super intéressantes, mais. Non, 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 tout ça m'intéresse pas. Farine, j'en ai pas besoin, je crois pas. 1200 le fruit du dragon. En vrai, ça pourrait se faire. Ouais, on va prendre un fruit du dragon. Je crois peut-être que c'est même le seul truc qu'on va acheter vu le prix du machin. Mais il y a moyen que ça. Ça nous rapporte des sous, non, si on plante ce truc-là. J'espère que ça se plante, je sais pas du tout. On va essayer de planter le fruit du dragon. Ah, des fleurs, non. Confiture. L'engrais. L'engrais, ça, je prends. L'engrais, il y en a besoin. Je pense que ce sera tout. Hein? Yep. Allez.
Déjà, le fouet du dragon, il coûte super cher. Allez, on rentre, on va essayer d'aller planter ça. Et peut-être prendre une douche aussi, c'est que madame, elle commence à puer là. C'est important de prendre des douches. Des douches à l'eau froide. Ok. Alors tu vas commencer par me prendre une douche tiède. Et ensuite on va voir à planter ce fruit du dragon. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. J'espère que ça se plante. Planter. On va planter ce truc-là. Parce qu'en vrai, si ça peut rapporter beaucoup de sous, moi je prends. Hein. On en plantera peut-être deux ou trois même. Si c'est rentable. Vu le prix du fruit. Ok, il est planté. Il va me l'arroser. Hors saison. Saison automne. Ok. Va falloir le mettre en intérieur. Ok, Madacha. Hop. On va le déplacer. Yup. Juste ici. Et normalement, ça devrait être bon. Ils envisagent de partir. Ils sont pas heureux. Mes poules sont pas heureuses. Elles veulent partir. Non, on va pas peindre. Je viens de te dire que les poules étaient pas heureuses. À très faim. Elles ont faim. Verser de la nourriture. On peut discuter aussi. On peut la caresser. On peut discuter peut-être. C'est juste ça son problème, c'est qu'elle a faim. Ouais, elle a juste faim, c'est tout. Ok, ça tu vas jeter et ça tu vas... Jeter aussi. Oui, et même pas aussi, on a compris. Est-ce que c'est bon, ça? À l'abri, normalement, c'est bon. Voilà, à l'abri, c'est automne-hiver. Normalement, c'est bon, ça devrait pousser sans souci. Vu que c'est en intérieur. Mais la petite, elle est en train de mettre un bordel monstre, là, ici. Magnifique. Tu vas où? Tu vas t'occuper des poules? Vas-y, va faire des câlins aux poules, elles sont tristes. Va t'occuper des poules. Interaction sociale, caresse la poule blanche. Caresse celle-là aussi. Allez, non, pas action, interaction sociale. Elle fait lui une blague. Le coq aussi. Allez, caresse le coq aussi. Cette petite, c'est l'amie des poules. La poule l'a attaqué! Oh, c'est pas très gentil ça! Écrit contre qui là? Pourquoi t'as attaqué la petite toi? Elle voulait être gentille? Elle a rien fait de mal? C'est qu'une enfant! On s'attaque pas aux enfants! Maintenant elle est triste! Il s'est pris un coup de bec. Violence. Violence de la poule. Non, mais pas un coup de bec, hein. Sois gentille, hein. Sois une bonne poule. Voilà, interaction sociale. Je peux la caresser maintenant. C'est bon, elle va pas te remettre de coups de bec. Voilà, gentille poule. Gentille la poule.
Voilà, câlin avec la poule. Fais des câlins. Vas-y, joue avec la poule. Oui, t'as besoin d'aller sur le pot. C'est beau, t'y vas. La maison est loin quand même, en fait, de... du poulailler et tout ça. Ça met beaucoup trop de temps pour aller de là-bas à là-bas. Faudrait que chacun dise que je fasse une porte ici. Ça serait bien, ça serait mieux. Et pour ça, faut des sous. Hein. Pour vraiment, un peu limite encore. Il y a eu des progrès, certes, mais tu sais pas d'ailleurs. Va te peindre un peu, ça fera un peu de sous. On améliore la maison. En plus, maintenant, on a une bonne revenu. Pas vraiment un revenu, mais on a une bonne production d'électricité. Bon, l'eau, on n'a rien du tout. Il faudrait un petit coin d'eau pour récupérer de l'eau, ça serait pas mal. En vrai. Faudra faire des travaux un jour sur cette maison. Il n'est pas incroyable du tout, cette maison. On a vu mieux. Il y a tout le temps des gens qui viennent, par contre. Faudra leur dire que je veux pas qu'ils viennent. Pas que ça à faire. On est déjà très occupés. Non, arrête de manger de la brioche. Mange pas la brioche. Cuisine des plats, des vrais plats. T'as qu'à faire ça, voilà. Œuf, farine, sucre. Mais range la brioche. Range, j'ai dit. Ça, c'est tout pourri. Ouais, et puis il faut que tu donnes à manger à Yuna. Donne-lui à manger. Un petit yaourt. Ah ok, elle a pris la brioche. Bon, bah elle mangera de la brioche. J'ai oublié le yaourt. À quoi qu'elle a encore faim quand même. Non, bah tu lui donneras quand même le yaourt après. Elle a pris la brioche, elle s'en fout. Je vais pas vendre le tableau. Non, mais contemple la toile. Tiens. Et l'âme d'une artiste. Non, 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 pas doudou, pas encore, pas encore. Faut que tu manges d'abord. T'es en colère, oui, bah t'es en colère. Continue à mettre le bazar, d'accord. Non. Va manger ton... Non, je veux pas que tu dormes. Je veux que t'ailles manger ton yaourt. Tu dormiras après. D'abord, tu vas manger ton yaourt. En colère. Mais je m'en fous que tu sois en colère. Elle est en colère parce que le chat, il a défoncé son lit. Bon, on va réparer les griffures. Voilà, on répare le lit. Bon, c'est bon, elle est plus en colère. Elle est juste triste parce qu'elle est fatiguée. Il faut d'abord qu'elle mange. Elle mange et ensuite elle va dormir. Voilà. La mère qui va lui raconter une petite histoire. Qui va nettoyer le bordel. Nettoyer les assiettes aussi, ça fera pas de mal. Besoin un peu du ménage. Allez, on astique. Pourquoi il y a tout le temps des trucs pécumés là-dedans? Enlever la nourriture gâtée. Et vu que t'es pas trop fatigué, tu sais quoi? Tu vas aller ramasser les œufs et tu vas nettoyer le poulailler qui est tout sale. Non, par contre, jette. Jette-moi ça. Ok, tu vas aller utiliser. Tu vas aller prendre une douche tiède. Et tu vas aller faire un gros dodo. Hey, coucou Nico Neko, comment ça va? Allez. Tout le monde au lit. À minuit, tout va bien. Et voilà, elle m'a pété les chiottes.
Super. Elle a cassé les toilettes. Eh ben, si ça va, tout va bien. Bah, j'espère que ta matinée s'est bien passée. Ma petite Sims, elle travaille beaucoup aussi. Aller au champ, ça demande beaucoup de temps. Vraiment. Elle bosse dur. Elle bosse très très dur. Petit déjeuner, toast avec œufs, sandwich au fromage. Qu'est-ce qu'on peut manger au petit déjeuner? La salade de pastèque pour le petit déj. Tarte aux myrtilles. Spaghetti, non, peut-être pas. Du pain perdu. En voilà une bonne idée. Un peu de pain perdu. Puis ensuite, tu iras réparer les toilettes que tu m'as cassées. Ce serait une bonne idée. Allez. Bon petit déjeuner. Réparage des toilettes. Toi, dès que tu te lèves, hop, tu vas aller sur le pot. Non, elle se lève direct. Ok. J'espère qu'elle dorme encore un peu, mais non. Non, non. Elle se lève, la petite. En colère. Mais elle est tout le temps en colère. Il faut qu'elle arrête d'être tout le temps colère comme ça. Hein. Toi, tu vas où, toi? Caresser le lapin. Non, tu vas pas caresser le lapin. Tu vas me jeter ça. Tu vas me nettoyer ça. Allez, s'il n'y a pas une trace de d'eau là? Ouais, essuyer. Ok, même. Toi, tu vas donner un bain. Voilà. C'est tout à fait ça, Xena. C'est une fille, mais ça aurait été un garçon, on l'aurait appelé Oups. Mais bon, là, c'est une fille, donc on peut pas l'appeler Oups. Allez, au bain, jeune fille. Un bain toujours aussi tiède. c'est pas tout de suite qu'elle aura des bains chauds. On n'a pas le temps d'aller chercher de l'eau. Allez, on va lui donner petit déjeuner. Petit déjeuner céréales. Allez, ce sera très bien, petit déjeuner céréales. Mais qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est triste parce qu'elle en a mis partout sur le pot et c'est pas allé correctement sur le pot. Voilà, du coup elle est triste. C'est pas grave, on va nettoyer, on a l'habitude. Allez. Un petit peu du ménage. Allez, prends ton petit déj, ma grande. Quand est-ce qu'elle grandit, elle, d'ailleurs? Ah, la semaine prochaine, hein? On est bientôt au Festival des Poules. On n'aura jamais ce qu'il faut. On n'a jamais une poule qui pourra gagner. Ça va pas être possible. Les œufs, ils sont pas terribles non plus. Celui-là, c'est cuit. Hein. On le gagnera pas. Sauf si on arrive peut-être à corrompre la juge cette fois. Ça se tente, hein, moi je dis. Ça se tente. Ok, tu vas laisser la petite sortir et on est parti pour s'occuper un petit peu du champ. D'abord les animaux. Ramasser les œufs. Donner à manger. Nettoyer. D'ailleurs, on va déplacer la souche. Et j'aimerais bien qu'on agrandisse un petit peu ça. Pas l'agrandir par là. Voilà, comme ça. De deux, ça me paraît déjà pas mal. Ne pas te décaler. Déplace. Voilà.
parfait. Hop. Voilà, elles ont un peu plus de place, les poules, parce que là, je trouve que c'est très petit. Voilà, comme ça, c'est déjà un petit peu plus grand pour nos poules. D'ailleurs, toi, tu vas venir t'occuper des poules. Allez. Viens t'occuper des poules. Elle joue avec la poule. Mais elle est tout le temps triste, cette gamine. C'est pas possible. Ensuite, tu vas aller laver la vache. Tu vas la caresser. Plus de choix. Tu vas la traire. Nettoyer l'abri. Nettoyer l'abri. Allez, ça se nettoie tout ça. Il y a du boulot. Elle est triste, mais si elle est tout le temps triste, mais si elle est triste, elle va aller faire des câlins aux poules. Ça lui remontera le moral. Mais quoi, qu'est-ce qu'elle a? Oh! Un oups! Incroyable! Mais elle s'est encore pris un coup de bec! Faut qu'elle arrête d'être méchante, cette poule! On tape pas les enfants! Hein. Pas très gentille, cette poule! Hein. Elle bug un peu la petite, hein, mais c'est pas grave. Tu diras qu'on n'a rien vu. Le lama, on va ensuite le laver. Interaction sociale, le couvrir d'amour. Et le tondre. On va tout récolter. Et il y a trop d'action. Ok, trop d'action, trop d'action. On s'occupe de la petite qui s'occupe des poules. Faisons de cette poule une poule heureuse, pleine de vie, pleine de joie, capable de gagner un concours. Je pense pas qu'elle puisse gagner un concours. Non, honnêtement, elle gagnera pas. C'est pas grave, hein, mais sur les... Avec la citrouille que j'ai fait, je suis sûre qu'il y a moyen de gagner. Faut juste garder la citrouille jusque-là et puis, ça va passer. Moi, je suis sûre que ça passait avec la citrouille. Bah, tu vas pas t'occuper non plus que de cette poule, on va s'occuper aussi un peu des autres poules. Non mais pas action. Ok, on va la serrer dans les bras. C'est moi où j'ai encore deux coques? Pourquoi j'ai encore deux coques? Je devrais plus avoir deux coques. Je devrais en avoir plus qu'un. Elle a pas vendu le coq? Ok, du coup, hop, insecticide, arrosage, et récolte. Elle est pas mignonne quand même, la petite, à s'occuper des poules comme ça, franchement. De toute façon, c'est tout ce qu'elle peut faire à son âge. Hein. Alors qu'elle grandisse, qu'elle travaille un peu. Ah, moi, je veux qu'elle bosse, hein, la petite. C'est trop de travail pour ma Sims toute seule. Hein. Y a trop. Y a trop de choses à faire. Elle peut pas tout faire. Mais elle va où, elle? Tiffy, regarde sa mère. Mais ça sert à rien de regarder ta mère. Occupe-toi des poules, plutôt. Poules qui ont faim encore. Oh là là, elles sont tout le temps faim, ces poules. C'est incroyable. Si, elle est mignonne, franchement. Elle est mignonne. Ok, on va jeter ça. On va jeter tout ça, parce que bon, elle met tout à côté. Et... des abris, bah oui, mais pourquoi mettre dans la poubelle quand il y a une poubelle à côté, alors qu'elle peut tout mettre par terre. Franchement,
C'est vachement mieux de tout foutre par terre. Ah là là, c'est pas abusé. J'avais pas des trucs à planter, genre une pomme. Attendez, j'ai quoi là? Cerisier. Poirier. Grenadier. Cerisier. J'ai deux cerisiers. Citronnier. Pommier. J'ai un pommier. Oh, lui, il a commencé à pousser. Ah, mais j'ai trop de choses en cours. Il y a trop de choses à faire. C'est normal que la petite, elle est un peu arc-en-ciel, là. Qu'est-ce qu'ils font, non? Je crois qu'il se passe des choses bizarres, là. Ok, bah au moins, elle s'est amusée, la petite. Ok, les poulets mangent. Et les poules, elles ont faim. Du coup, elles mangent. D'ailleurs, elles pourraient manger. Oups. Ok, tout arrosé. Désherbé. Et tout récolté. Ouh, j'ai un œuf qui peut éclore, là. Ah! Comment on fait déjà? Faut que je clique sur le poulailler, je crois. Hop, 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 disperser, non. Action, non, c'est pas ça. Les friandises. Couver dans le poulailler, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Ok, mes plantes d'intérieur se portent très bien. Mais ça, franchement, je compte beaucoup sur le fruit du dragon. Je veux qu'il me rapporte masse de sous, ce truc. On a perdu la petite, elle est partie où? Pourquoi elle est partie se coucher? Pourquoi tu dors à cette heure-ci, toi? Dors pas à cette heure-ci, tu vas pas dormir après cette nuit. Va sur le pot, plutôt. Et toi, tu vas aller vendre les produits de la ferme. Allons faire un petit peu de money. Ok. Mais non, elle laisse pas la petite seule à la maison, regarde, c'est marqué, elle a été envoyée à la garderie. T'inquiète. C'est garderie automatique, c'est magnifique. C'est magique. Mais non, elle ne laisse pas la petite toute seule. Nous ne sommes point des irresponsables. Voyons. Le basilic, on vend les cerises. Oh, on fait beaucoup de cerises quand même, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Des champignons, on en fait pas mal aussi. Champignons épicés. Ça se revend que d'elle en fait, les champignons. Là, un simflouze, je viens de voir, c'est terrible. C'est pas avec ça que je vais devenir riche. Les haricots, 10 simflouzes, le haricot, ça va, ça c'est quand même pas mal. Ok, la laine 45, c'est beaucoup plus intéressant aussi, la laine. Ok, les myrtilles et les mûres, c'est pas incroyable, mais bon. On est quand même à 1100, là. Hein. Les patates. Vendons les patates. Les tomates. Et les œufs. 1300 quand même, hein. 1300 simflous, tout ça, quand même. C'est pas mal. Bon, on regarde quand même toujours un petit peu ce qu'il y a à vendre. Banane plantain, en vrai, je vais en prendre une. Il faudrait que je plante. Épinards aussi, ça serait bien de planter des épinards, fraises, framboises. Et du dragon, ça c'est fait. Petit pois. J'ai pas de petits pois. Je crois pas que je fais pas des petits pois. On va faire des petits pois.
voir poisson, chat, poivron, raisin. Ok. On n'a pas le temps de s'occuper de toutes les plantations et on va rajouter encore des plantations. Parce qu'il en faut. Champignons verdoyants, j'ai pas ça. On prend. L'engrais, on prend aussi. Friandises enjôleuses, on va prendre. Ok, il y a quoi d'autre? Non, bah c'est tout. Quoique le persil. Et l'orchidée, ça se vend cher, hein? Si je peux la revendre aussi cher que ça peut être intéressant. Une rose. On va prendre une rose, on va planter des roses. Allez! Hop, hop, hop! Doucement, ça va trop vite! Rentre chez toi! Bah. Non, en fait, elle s'appelle Yuna, mais elle est censée être autonome. Rapidement, tout de suite même. Il faut qu'elle soit autonome. Dès sa naissance, elle était déjà autonome, cette petite. Il faut. Sa mère a trop de choses à faire, elle a pas le temps. Allez, toilette. Douche rapide et tiède. Déjà qu'on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, c'est la misère. Bien que la petite, elle se débrouille toute seule. Hein. D'ailleurs, il y a quoi qui est planté là? Parce que tout ça, ça pousse pas là, c'est pas la bonne saison. Attendez, tout ça, il faut que je les déplace en vrai. Faut mettre tout ça à l'abri, c'est pas les bonnes saisons. Faut que ça pousse. Faut que ça rapporte des sous. Il va peut-être falloir agrandir un petit peu les... ce qu'on peut avoir en intérieur. On va rajouter deux petites jardinières comme ça, ce sera pas mal. Voilà. Il faut planter, hein. Ok, le champignon là, on va planter la carotte. On plante. On avait dit petit pois. Plante. 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 On avait quoi d'autre? On avait quoi d'autre à planter? La banane plante. Hein. Merde, ça c'est un arbre. Ça c'est chiant. Planter. Ah, les épinards aussi. Hop. Allez, on plante les épinards. Les fraises. J'ai pas des fraises. Myrtille. Obé. Mur. Hop, ça va faire évoluer. Mur de notification plein. Et bah, vide-le. Voilà. Le cerisier, faire évoluer. J'ai deux cerisiers. Pourquoi j'ai deux cerisiers? Jokobé. Haricot vert. Ouais, je crois pas que j'ai des fraises. On va planter des fraises. Allez, hop. On plante. J'ai quoi là-dedans? Patate. Oignon. Ça, c'est le fruit du dragon. Faut absolument que je m'en occupe correctement de ce truc. Ok. Ah, il y a la rose aussi qu'il faut que je plante. Attendez. Toi, on peut te décaler ici. Hein. Ce sera mieux. Hein? La rose, hop. Voilà. On plante aussi la rose. Je crois que c'est tout bon, hein. Qu'est-ce qu'elle fait la petite? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Elle a faim. Non, mais c'est pas grave. Attends 2 minutes.
Et on va tout arroser. Alors, les épinards, c'est en hiver. Ok, donc c'est la mauvaise saison. Petit pois printemps. On est au printemps, hein, c'est ça hein. Je crois qu'on est au printemps. On est bien au printemps. Ok, donc ça, on met en intérieur. Carottes, automne et printemps. Ça, il n'y a pas de saison, c'est parfait. Automne et printemps. Ok, il manque juste banane plantain et la fraise. Non, on est en été. On n'est pas du tout au printemps, on est en été. J'ai rien dit. Ah bah la banane plantain, c'est en été, c'est bon. Du coup, printemps, ça bouge. Automne, printemps, ouais, ça va en intérieur. En vrai, il faudrait peut-être limite que je fasse tout en intérieur. Hein. Ce serait peut-être plus simple. Mais je crois que ça pousse plus vite quand même de saison en extérieur. Et ça, j'ai dit automne et printemps. Donc c'est pareil, ça va en intérieur. Ça, on a dit que c'était... Ça, on a dit que c'était l'été. C'est bon. Et la fraise, je pense que c'est l'été aussi. Non, la fraise, c'est printemps. Ok. Eh bien, c'est tout. On met tout ça en intérieur. Voilà. Alors, t'es gentille. Tu vas tout arroser. Là, je crois que t'as des récoltes à faire. Voilà, on va tout récolter. On va pulvériser de l'insecticide. Et là-dedans, on va tout arroser aussi. Ok, et la petite commence à avoir genre très faim. Du coup, ensuite, tu vas venir me nettoyer ça. Va pas dormir. Hein. Non, c'est bon, elle va jouer avec ses cubes. Faut pas qu'elle dorme, pas tout de suite. Je sais, c'est dur, mais... faut. Ah non, bah non, elle est même pas fatiguée, en fait. Il est 21h, elle est pas fatiguée. Normal. Et bah, qu'elle joue avec ses cubes. En attendant, sa mère. Et dès qu'elle aura le temps, sa mère, elle lui fera manger. Ok. Par contre, le lapin, je crois qu'il est buggy, là. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là-dedans, il est jamais ressorti. Mais pleure pas, c'est bon, tu vas manger, c'est bon. Mangez. Donnez à manger à Yuna. Allez, on va te donner des petits pois. C'est très bon les petits pois, c'est bon pour la santé. Mange des petits pois. Allez, viens. Voilà. Voilà, ça va tout de suite mieux, non? Allez, hop. On va nettoyer ça. Et j'ai un coq qui se fait vieux. J'ai un coq qui va mourir. Il va mourir de vieillesse, le coq. Bon, il n'y a personne qui est fatigué. Ça, c'est terrible. Du coup, toi, tu vas peindre et toi, tu vas faire je sais pas quoi. Les animaux, ils dorment. Normal. Il n'y a que les humains qui dorment pas. Ah, tu peux t'occuper du chat. Caresse le chat. Voilà, occupe-toi du chat. Il sera content. Faut bien qu'elle s'occupe, hein, la petite. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une touffe de poils. Le chat qui a laissé des touffes de poils sur le lit. C'est super. Eh ben, on apprécie. Magnifique tableau. Oh, c'est un chef-d'œuvre. 2000 simflouz. Allez, vends. Vends-moi ça.
Ouais, total, bon, vas-y. Hey, money, money. Ça fait plaisir, un petit chef-d'œuvre. Un petit peu de sous. Non, mais t'arrêtes de foutre le bordel, toi. Non, t'as pas envie. Du coup, on est à 3002. On peut peut-être faire un petit peu des travaux, hein. Vu qu'on a de l'électricité, quand même plutôt bien maintenant, on va peut-être se permettre de mettre un petit peu d'éclairage dans cette maison. L'éclairage électrique en plus. Non, parce que l'éclairage... L'éclairage à la bougie, ça a ses limites, hein. La lumière! Par contre, il faut quand même des trucs qui consomment pas trop. On voit la consommation, ça a une consommation. Consommation d'électricité 10, ouais, ça consomme beaucoup ça. Ok, il y a tout qui consomme 10. Ok! Celle-là, elle est pas mal. Ça éclaire pas de ouf. Et ça? Ah, ouais, ça éclaire pas mal ça. Mais j'aime pas. Ou ça peut-être. Ça c'est joli. Ou alors. Attends. On va vendre ces trucs-là. De toute façon, ça éclaire absolument rien ces trucs. On va faire un petit peu de décoration. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est joli. Comme ça. Non, mais un là. Et un là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Ouais, peut-être même prendre un meilleur frigo. Va déplacer la poubelle là ici. La cuisinière, est-ce qu'on pourrait pas prendre une meilleure cuisinière? Ça serait pas mal ça. On va s'acheter une belle cuisinière. Celle-là, c'est laquelle? C'est celle-là. Qualité de nourriture 4, consommation d'électricité 2, fiabilité 5. Ah, les très belles cuisinières, elles coûtent très cher. Celle-là, elle me plaît bien. Celle-là, elle est jolie. Noir, non, noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mais celle-là, elle est pas mal. Allez, on change la cuisinière. Celle-là, on la vend. Non, 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 c'est pas ça que je cherche. Les meubles. Je vais en mettre un deuxième comme ça. Voilà, comme ceci. Papam, papam. Qu'est-ce qu'on a de beau un petit peu hors décoration? Ou alors en éclairage aussi. Pourrait mettre une petite lampe. Ou alors changer de frigo aussi, ça peut être une bonne idée. Mais le 4, hein, il coûte cher celui-là. Mais il est pas mal. En blanc. Allez, on change de frigo. On peut même se mettre un évier, un vrai évier. Carrément, quoi.
Comme celui-là, par exemple, juste ici, là. C'est pas mal pour faire la vaisselle. Ouais, il me faudrait une petite lampe quand même. Peut-être une lampe... Lampe, je veux des lampes. Un truc suspendu. Ah, pourquoi pas ça? Ah, ça éclaire bien en plus. Par contre, de cette couleur, c'est pas ouf. Oh, je suis it. Ah, sinon, il y a celle-là. Ça, là, c'est pas mal. On le met juste ici. Pof, voilà. La poubelle, on va la mettre là. Ben voilà. Bon, on espère que ça consomme pas trop quand même tout ça. Il faut pas oublier qu'on est quand même très limité dans... variation moins 18 par jour. N'oublions pas que nous n'avons pas l'électricité courante. J'ai laissé le grifoir en plein milieu par contre. D'ailleurs le grifoir, je vais peut-être plutôt décaler celle-là. Et on va mettre l'arbre à chat ici. Ce sera beaucoup mieux. On pourrait même rajouter une petite chaise là. Voilà. Incroyable cette maison qui ressemble à quelque chose. Ok, tu vas peut-être te faire un petit truc à manger. Des macaronis au fromage, allez. Pendant que la petite fout le bordel dans la pièce de vie, qui est également la chambre. Bah oui, ça commence à être mignon, là, comme ça. Bah arrête de mettre le bordel, va aux toilettes. Donc de foutre de la peinture partout, je sais même pas où est-ce qu'elle a trouvé sa peinture, mais elle en met partout. Voilà, du coup, tu vas pouvoir manger et nettoyer ce merdier. Voilà. Un jour, elle aura une vraie maison magnifique et incroyable, hein. Moi, je vous le dis. Du coup, après, tu vas lire un livre à Yuna pour l'endormir. Bon, ça, Yuna, elle a pas de lumière dans sa chambre. Ah, quoi qu'on pourrait lui rajouter une petite veilleuse ou un truc comme ça. Ça, là, la petite lampe... petite lampe nuage. Voilà, ça égaye tout de suite un peu sa chambre. Elle a de la lumière. Bon, par contre, doucement hein, sur l'électricité. Doucement, doucement, faut pas abuser. Déjà que l'eau, on en a pas. D'ailleurs, il fonctionne au moins cet évier. J'ai des doutes. Ah, c'est pas mignon avec de la lumière dans sa chambre. Incroyable, on y voit enfin quelque chose. Ouais, je pense qu'il va falloir vraiment améliorer cette maison. Pour arriver à faire un peu de sous pour améliorer cette maison. Le chat ouvre très bien les portes. Hein. C'est un pro pour ouvrir les portes. Éclairage automatique. Tous les éclairages, hein. On éteint les lumières quand, quand on sort de la pièce, s'il vous plaît. Ok, saison d'une série. Merde, elle a pas de télé. Premier épisode de... Je pensais à regarder rapidement pour ne pas vous faire spoiler par d'autres Sims. On n'a pas de télé, on fait comment?
Ça va être un problème. On peut acheter une petite télé juste pour l'occasion. On a un peu de sous encore. On peut acheter une petite télé pour l'occasion. Salon. Télé. Que ça marche avec la télé. La petite veut finir présidente. Je ne saurais dire. Si on prend une petite télé comme ça. Ah, la tête de la télé. Ça fonctionne pour le. non, pas la petite, la grande. Ouais, ça fonctionne! C'est bon! On peut avec. Attendez, la petite, elle a une télé dans sa chambre. Ça soit sur lui avec la petite qui dort pour regarder son truc. Ah, c'est trop fort! Regarde, vas-y, regarde la télé, voyons. Vous avez une télé, c'est incroyable. C'est peut-être un petit peu flippant pour elle, non? C'est un truc avec des momies. En vrai, elle est mignonne, la télé, ouais. Le petit pingouin. Petite télé pingouin. Par contre, c'est pas du tout de son âge, hein, ce qu'il regarde. Je sais même pas ce qu'il regarde, mais. Faut pas qu'il regarde ça, en fait, la petite. À fond dans ce qu'il regarde. Ah, elle fait tout, hein, attention. Waouh, le courageux pompier qui sauve la petite. Ok, on a fini de regarder l'épisode. On va gentiment éteindre, hein. Parce que ça coûte de l'électricité, tout ça. Est-ce qu'à la fin, oui, on va donner le petit déjeuner à la petite, à Missiona. Allez. On va peut-être pas la garder la télé. Hein. Non? Oh, moins 19 par jour. Ouais, je pense qu'il y a moyen de garder la télé quand même. Elle va garder la télé. Ça l'occupera. Ah, par contre, elle sait pas l'allumer toute seule. C'est pas mal ça. Elle sait pas allumer la télé toute seule. C'est pas mal, c'est bien fait. On apprécie. Bon, par contre, il n'y a plus un rond. Ah voilà, entre la télé et la cuisine, là, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de sous. Ok, on va retourner à nos occupations habituelles de champ. Hein. Allez, on désherbe. On pulvérise la zone à l'insecticide. On récolte. On nourrit les poules. On nourrit les vaches, les lamas. La routine habituelle, quoi. Et ça, c'est quand que ça, je peux récolter, hein? En vrai, ça pousse quand même très bien, hein, dans la serre. C'est pareil, la serre, je pourrais la coller à la maison, en vrai. Ça serait mieux. Ça serait beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Eh, tu veux pas plutôt aller sur le pot? Pas sur le pot. On va essayer d'aller chercher de l'eau aussi aujourd'hui. Il faudrait un petit peu de l'eau. Elle va s'occuper un peu de tout ça. Ensuite, on va aller vendre au marché et on va essayer d'aller chercher de l'eau. Pour récolter de l'eau. Ouais, vraiment. Bon appétit les poules! Et on ramasse les œufs aussi des poules. C'est des sous, hein, ça, les œufs des poules. Hein. Tout le monde qui crade, c'est super.
Ok, elle est malheureuse parce qu'elle est sale. On va les laver. Et on va traire et tondre. Hein. Allez, traire. Et tondre le lama. Ouais. Faire un petit peu 10 sous. Hein. Non, mais le petit chef-d'œuvre là, franchement, ça nous a mis bien. Faut peindre de temps en temps. J'aimerais bien lui prendre un ordinateur aussi pour qu'elle écrive. Avoir des revenus un petit peu journaliers avec des droits d'auteur, ça pourrait être bien. Allez, c'est parti, on va aller vendre et on va essayer de récolter un petit peu d'eau pour la maison. Yep, yep. On veut de l'eau. Ça fait trop longtemps qu'on prend des douches tièdes, froides. Allez, vendre nos produits. Pas d'endroit où je peux récolter de l'eau ici. Non, je crois pas. Ok, on vend un peu le basilic. Le basilic, ça rapporte pas énorme. Hein. Les bouteilles de lait. On vend les cerises. Les cerises, ça va tous. La cerise, c'est pas mal. Champignons, ça vaut que dalle. Non, vraiment. Champignons verdoyants, pas beaucoup mieux. Épicé, c'est pourri. Les chocobés, pas avec ça qu'on va être riche. Faudrait vraiment cultiver des trucs qui se revendent plus cher. Les haricots verts, encore ça va, 10 le haricot vert. La laine. Entre la laine, c'est pas mal. Myrtille, les mûres. Bon, après, le tout cumulé, ça va quand même. Ça fait quand même un peu de sous. Les patates, c'est pas la joie. Les tomates. J'ai un œuf vert? Ok, 800 centimes plus quand même le tout. Ça va. Du coup, il faut qu'on aille dans un endroit où il y a de l'eau. Allons puiser de l'eau. En fait, il y a de l'eau un peu partout. Peut-être même chez moi, en fait. Depuis chez moi, je peux peut-être en ramasser. Attendez. Est-ce que j'ai vraiment besoin de partir de chez moi pour aller chercher de l'eau? Je sais qu'il y a de l'eau. Là. Mais là, on peut pas. On peut pas récolter de l'eau, là. C'est trop... Et ici? Au ponton, là, non? Et là? Là, ici? Peut pas récupérer de l'eau, là. Ah bah si, récupérer de l'eau. Viens, viens jusqu'ici, récupère de l'eau. Est-ce que tu peux? Elle est où? Elle se balade. C'est moi ou elle se balade en maillot de bain? Ok! Non, mais ça va. Ah, d'accord, elle y va à la nage. Ouais? Ok, donc tu peux rentrer à la maison. Ouais, c'est pas si loin que ça. Du coup, elle a récupéré combien? Elle a pas récupéré beaucoup. Deux. Yeah. Magnifique. C'est bien marqué stocker, hein. C'est pas marqué vendre. Bon, eh ben écoutez les amis, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Sur madame qui se promène en maillot de bain, elle va chercher de l'eau à la nage carrément. C'est trop bien. C'est original. C'est un style, dirons-nous. D'ailleurs, je sais pas ce que tu vas faire là. Tu vas prendre de l'eau, mais prends pas de l'eau. On vient de la récolter. C'est pas pour. Hop, allez, utilise. Mais là, elle peut prendre une douche, mais. Hop, nettoyer l'huile de coude. Hop. On nettoie tout. Elle va à la plage. Ah, c'est plus la rivière que la plage, là. Hein. C'est clairement plus la rivière. Tu vas redonner à manger aux poules, parce que les poules, elles sont tout le temps en train de crever de faim. Puis écoutez, les amis.
D'où elle m'a peint ça, quoi? Ok, elle reprendra la toile. C'est là-dessus qu'on va se laisser. On se retrouve tout à l'heure pour du Genshin. Il y aura de l'invocation sur Yaemiko. Donc, je vous attends tout à l'heure pour Genshin. Mais en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus. Et sur ce, bye bye. Vers quelle heure? Le live est à 16h. On fera sûrement les invocations à 17h. Ouais, je pense. Ça m'apparaît pas mal. Voilà. Du coup, à tout à l'heure, les amis. Bye bye!